Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode bonus de Dynasty Tactics où nous allons découvrir un nouveau cheminement en regardant uniquement les cinématiques, je le rappelle. Donc je remets celle du début, le serment du jardin, c'est parti. Though born on different days, we vow to die the same day, and at the same time. May the heavens bear witness to our oath! If we should break faith and forget our vows, may we be punished by the heavens. We shall strive for the restoration of the Han Empire. Traitors, beware. You will be destroyed. To this, we pledge our lives. Agreed! In this garden, Liu Bei, Guan Yu, and Zhang Fei set their feet upon the path of destiny. Soon their fame spread throughout the land. Some years after this oath, Liu Bei receives a request for aid from Tao Qian of Zhu province, who is being attacked by Cao Cao. Liu Bei hurries to Zhu. Le vent du changement. Donc voilà, ça c'était le serment du jardin, on passe à Lu Bu, l'invité d'honneur. À Xiaopei, Liu Bei oblige l'avant-garde de Cao Cao à se replier. La province de Xu est sauvée, mais Tao Qian tombe bientôt malade et décède après avoir confié Xu à Liu Bei. Sur l'insistance du peuple de Xu, Liu Bei accepte à contre-cœur le poste de gouverneur. Plusieurs mois plus tard, Liu Bei reçoit une demande d'aide de Lu Bu, qui vient d'être vaincu par Cao Cao. Liu Bei accueille Lu Bu en tant qu'invité et l'installe à Xiaopei afin de le protéger de Cao Cao. Mais Lu Bu ne se satisfait pas de son statut d'invité et ne se gêne pas pour le faire savoir. Ah, Seigneur Liu Bei, je ne sais comment vous remercier de votre aide. Je suis votre obligé. Que pensez-vous de Xiaopei, Général ? C'est pas mal, mais... Un si petit château loin de tout est indigne d'un homme tel que moi. Toutes mes excuses, Général. Mais la province de Xu est fort réduite, et la ville de Xiapi est la seule qui ait une quelconque importance. Dans ce cas, pourquoi ne m'en confiez-vous pas la charge? Espèce de... Pour qui vous prenez-vous? Silence, Guan Yu. Veuillez pardonner l'insolence de mon frère, je vous prie, Général. Aucune importance. Quand je veux un château, je le prends par la force. C'est de cela que je souhaitais vous entretenir. Je me disais qu'il serait temps de donner une bonne leçon à cet imposteur de Yuan Shu. L'attaquer maintenant serait dans votre intérêt à vous aussi. J'attends votre réponse. Lu Bu propose une alliance. Voilà. Donc nous, le cheminement qui nous intéresse sera encore une fois plus l'embranchement du bas pour le moment. Donc les deux, là, je vous rappelle, c'est des événements qui sont très similaires. On va prendre l'invasion de Lu Bu. Les relations entre Liu Bei et Lu Bu se sont stabilisées. Un silence étrange et inquiétant enveloppe la province de Xu. Le calme avant la tempête. Lu Bu devient fou de rage en constatant que Liu Bei ne répond pas à son offre d'alliance. Il réagit en attaquant Xiapi. Conscient qu'il ne parviendra pas à défendre Xiapi sans aide, Liu Bei s'allie avec Cao Cao pour offrir une bien meilleure résistance à Lu Bu. Liu Bei s'allie à Cao Cao et déclare la guerre à Lu Bu. L'alliance. Voilà. Les deux choix de ne rien faire ou d'attaquer Lu Bu ont les mêmes conséquences. L'évasion de Guan Yu. Mmh.
After Liu Bei and Cao Cao defeated Lu Bu, Cao Cao invited Liu Bei to his capital, Xucheng. There, Liu Bei discovered Cao Cao's tyranny and the plight of the emperor. Upon returning to Shu, Liu Bei decided to stand against Cao Cao. However, Liu Bei's forces crumble before Cao Cao's vast army. During the battle, Liu Bei is separated from his brothers as he escapes to Ji, the land of Yuan Xiao. Lorsque Liu Bei se replie du champ de bataille, Guan Yu se retrouve encerclé par les troupes de Cao Cao. Guan Yu est responsable de la famille de Liu Bei, ce qui lui interdit de mourir au combat. À contre-cœur, il accepte de se rendre à Cao Cao. Il obtient toutefois l'autorisation de rejoindre Liu Bei une fois que l'on saura où se trouve ce dernier. Plus tard, quand Guan Yu apprend où est son seigneur, il remercie Cao Cao et quitte Xucheng. Après avoir échappé à mille dangers, Guan Yu retrouve son frère d'armes Zhang Fei. Mais ignorant ce qui s'est passé, Zhang Fei l'accuse d'avoir trahi. Guan Yu and Zhang Fei drove off Cao Cao's officers. Brothers once again, the two traveled to Ji's border where they were reunited with Liu Bei, who had left Yuan Shao's care. The brothers decide to call upon Liu Biao, a kinsman of Liu Bei's, so they head toward the province of Jing. However, Liu Bei had no way of knowing that soon Jing would also be affected by the ever-spreading waves of chaos. Xinyi est devenue la base principale de Liu Bei. Agitation à Jing. Allez, trouble à Jing maintenant. Liu Bei est parvenu à stopper la progression de Cao Cao vers le sud, mais Liu Biao tombe gravement malade. Il meurt finalement non sans avoir confié le destin de la province de Jing à Liu Bei. Mais les dernières volontés de Liu Biao mettent Liu Bei dans une position difficile. Que dois-je faire ? Monte sur le trône de Jing, frère ! C'est ce que Liu Biao voulait ! Ça fait mal à la gorge de parler comme ça. Silence ! Un tel acte ne serait pas honorable ! Je souhaite juste protéger ceux pour quoi le seigneur Liu Biao a tant œuvré. Mais frère, les dirigeants de Jing se moquent du peuple. Une seule chose les motive, leur intérêt personnel. Nous continuons de les défendre contre Cao Cao et eux en sont déjà arrangés leur reddition afin de sauver leur peau. Mérite-t-il vraiment qu'on les protège? Reste que je ne puis usurper la place du fils de Liu Biao. Que faire? Liu Zong succède à Liu Biao et l'alliance conclue avec Liu Bei est rompue. Et donc là, du coup, c'est là qu'on va prendre un embranchement différent de la dernière fois, la bataille pour Jing. Sachant qu'il n'est pas de taille à résister à Liu Bei, Liu Zong décide de se rendre à Cao Cao si ce dernier accepte de l'aider. Dans le même temps, les gouverneurs du sud de Jing décident de déclarer l'indépendance. Le chaos le plus total règne dans la province. Liu Bei lance donc une campagne afin d'unifier Jing tout en tentant de tenir Cao Cao à distance.
Liu Bei et Liu Zhong sont désormais en guerre. Pour le bien de tous. Le bien de tous, justement. Liu Bei parvient à contenir Cao Cao tout en prenant le contrôle de la province de Jing. Mais Cao Cao refuse d'abandonner et continue de menacer les frontières de Jing. Liu Bei a besoin d'un stratège de génie pour lutter contre Cao Cao. Entendant parler d'un génie surnommé le Dragon Endormi, il se rend chez lui et plaide son cas, désespéré. Mais... Je vois. Général, êtes-vous prêt à sacrifier l'intérêt d'un seul pour celui de tous? Que voulez-vous dire? Je ne vous suis pas. Pour combattre Cao Cao, vous devez vous emparer de Jing. La justice sera de votre côté si vous faites cela de manière à ramener les Han au pouvoir. Mais... Si jamais vous vous emparez des terres du fils de Liu Biao, envers qui vous avez une grande dette, vous serez considéré comme un opportuniste et un ingrat. Je... C'est... Et pourtant, on pourrait dire qu'en honorant Liu Biao, vous ne vous préoccupez que de votre intérêt personnel. Et perdre de vue l'intérêt du peuple en faveur du seul, votre, serait stupide. Elle est bizarre cette phrase, mais c'est pas grave. Pourtant... Non, attendez! Ce n'est pas de la faute de mon frère! C'est moi qui lui ai dit de prendre Jing, c'est ma faute! Je vous en prie, Zhuge Liang, aidez mon frère, je vous en supplie! Moi aussi, je vous en prie, aidez notre frère et guidez-nous jusqu'à la victoire! C'est bon, vous deux, arrêtez. C'est moi qui ai décidé de prendre Jing. Je prétends combattre par honneur, et pourtant mes actes me déshonorent. Qu'y a-t-il de drôle? Toutes mes excuses. Je ne vous parle pas avec mon cœur, Seigneur Liu Bei. Si le choix m'était donné, moi aussi, je choisirais de diriger la province de Jing plutôt que de la laisser à ceux qui l'abandonneront au moindre signe de danger. Mais, sire, le peuple de ce pays vous vénère et voit en vous un homme extrêmement vertueux. Il est aisé d'oublier l'intérêt d'un seul en faveur de celui du plus grand nombre. Ainsi va la vie en temps de guerre. Ce sont toujours les faibles qui doivent payer. Général, pour ramener l'honneur dans le pays, vous devrez parfois tourner le dos à l'honneur, justement. Mais il ne faut jamais vous y habituer. Que l'on défende l'intérêt du plus grand nombre ou non, beaucoup meurent à chaque nouvelle guerre. Je vous demande de ne jamais l'oublier, Général. Maître, vos paroles sont sages et je les ferai miennes. Je dois dire que je me sens soulagé. Le lien qui vous unit tous les trois montre combien votre sens de l'honneur est grand. En fait, il m'a convaincu de quitter ma maison et de retourner dans le vaste monde. Est-ce que cela signifie que... Oui. Je suis encore jeune et inexpérimenté, mais je prête serment de vous aider à bâtir un monde nouveau dans lequel le peuple n'aura plus à souffrir. Zhuge Liang devient le vassal de Liu Bei. Bon. Alors là, nous avons deux voix... Alors, il faut que je vérifie. En sachant que je vais atteindre à la fin les deux royaumes, j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de possibilités qui vont mener un peu à la même chose. Ouais. Là, par exemple, ces deux scénars, là, nous mènent dans tous les cas, manifestement, à ça. Donc, je dirais que dans l'idéal, ce serait de regarder les deux, directement. Donc, on va commencer par Liu Bei Wu et Shu et on va voir ce que ça donne.
Encore et encore, Liu Bei empêche Cao Cao de s'emparer de la province de Jing. Et finalement, Cao Cao est obligé de se replier, sans rien obtenir. Stupéfait par la puissance de Liu Bei, les dirigeants du sud de Jing se rendent les uns après les autres. Liu Bei est désormais le maître incontesté de la province de Jing. Liu Bei prevented Cao Cao's advance into Jing and took the land for himself. In response, Cao Cao caused an edict to be written in the emperor's name, commanding Liu Zhang to attack Liu Bei. Thus, the flames of war erupt between Liu Bei and Liu Zhang. Liu Bei gouverne avec sagesse et la province de Jing connaît de nouveau la paix. Même si le puissant royaume du Wu ne peut ignorer les résultats obtenus par Liu Bei, ne pouvant plus se permettre de s'emparer de Jing, Wu doit changer de politique à un envoyé chargé de rencontrer Liu Bei. Quelle est au juste cette requête que vous mentionnez, Seigneur Zhu Yu? Monseigneur Sun Quan m'a donné l'ordre de vous remettre cette lettre. Voyons ce qu'elle contient. Monseigneur souhaite vous aider dans vos efforts pour restaurer la dynastie des Han. Pour ce faire, il vous propose une campagne commune contre la province de Yi. Ah, voilà qui serait une excellente idée, en effet. En nous alliant, nous pourrons mettre un terme à la tyrannie de Cao Cao. Je vous prie de dire au seigneur Sun Quan que quand la province de Yi sera tombée, nous la dirigerons ensemble. Je ne doute pas que monseigneur sera très heureux d'entendre votre réponse, seigneur Liu Bei. Toutefois, pour vaincre notre ennemi commun, Cao Cao, nous devons commencer par bâtir une confiance mutuelle. Il vaudrait mieux laisser les questions de territoire pour plus tard. Dans ce cas, dites au seigneur Sun Quan que j'accepte son offre de campagne commune. Mille merci, seigneur Liu Bei. Je vais en informer monseigneur sans délai. Une dernière chose, seigneur. Nous souhaiterions vous offrir les services de quelqu'un pour la campagne. Ah ? Et de qui s'agit-il ? Entrez, je vous prie. Mais seigneur ! Voix très féminine, n'est-ce pas ? Puis-je vous présenter Dame Sun Li, sœur de monseigneur Sun Quan ? Ah ! Votre réputation vous précède, madame. Je crois savoir que vous êtes très douée au combat. C'est exact, seigneur. Nul homme ne peut résister à Dame Sun Li sur le champ de bataille. C'est elle qui m'a demandé de l'amener jusqu'à vous. Je suis Sun Li, et bien que je n'en sois pas digne, ce serait un honneur pour moi que d'entrer à votre service. Quelle chance ! Tout l'honneur est pour moi, madame. J'ai entendu parler de vos exploits, seigneur, et cela fait longtemps que je rêve de combattre à vos côtés. J'essaierai de faire en sorte de ne pas vous décevoir. Liu Bei s'allie avec Sun Quan et accepte de lancer une attaque conjointe contre Liu Zhang. Sun Li devient le vassal de Liu Bei. L'invasion de Yi. Donc ouais, donc là, c'était donc l'une des possibilités. J'imagine qu'on avait un choix dans le truc d'avant. Mais le plan de Zhuge Liang, c'est encore autre chose. Et donc, dans les deux cas, nous irons droit au départ de Sun Li. Alors, regardons le plan de Zhuge Liang. Encore et encore, Liu Bei empêche Cao Cao de conquérir la province de Jing. Finalement, Cao Cao doit se replier les mains vides. Liu Bei prevented Cao Cao's advance into Jing and took the land for himself. In response, Cao Cao caused an edict to be written in the emperor's name, commanding Liu Zhang to attack Liu Bei. Thus, the flames of war erupt between Liu Bei and Liu Zhang. Liu Bei gouverne avec sagesse et la province de Jing connaît de nouveau la paix. Même le puissant royaume du Wu ne peut ignorer les résultats obtenus par Liu Bei. Ne pouvant plus se permettre de s'emparer de Jing, Wu doit changer de politique. Un envoyé est chargé de rencontrer Liu Bei. Pour le moment, ça change rien, hein. Je crois. Quelle est au juste cette requête que vous mentionnez, Seigneur Zhu Yu? Monseigneur Sun Quan m'a donné l'ordre de vous remettre cette lettre. Voyons ce qu'elle contient.
Monseigneur souhaite vous aider dans vos efforts pour restaurer la dynastie des Han. Pour ce faire, il vous propose une campagne commune contre la province de Yi. Voilà qui serait une excellente idée, en effet. En nous alliant, nous pourrions mettre un terme à la tyrannie de Cao Cao. Je vous prie de dire au Seigneur Sun Quan que quand la province de Yi sera tombée, nous la dirigerons ensemble. Je ne doute pas que Monseigneur sera très heureux d'entendre votre réponse, Seigneur Liu Bei. Toutefois, pour vaincre notre ennemi commun, Cao Cao, nous devons commencer par bâtir une confiance mutuelle. Il vaudrait mieux laisser les questions de territoire pour plus tard. Attendez, Seigneur. J'ai un plan. Dites-lui que vous répondrez plus tard, je vous prie. D'accord. Seigneur Zuyu, Liu Zhang et moi-même sommes actuellement opposés en raison des manigances de Cao Cao. Mais nous faisons partie du même clan. J'ai besoin de réfléchir. Mes compliments au Seigneur Sun Quan. Dites-lui que je lui répondrai dès que j'aurai pris ma décision. Très bien, Seigneur. Nous attendrons votre réponse. Je pense que la proposition de Sun Quan correspond à ce que nous avons besoin, à ce dont nous avons besoin, Zhuge Liang. Vous m'avez vous-même proposé de prendre Yi. Pourquoi attendre avant de répondre ? Nous avons porté un coup terrible aux forces de Cao Cao, Seigneur. Et il lui faudra du temps avant de pouvoir organiser une nouvelle campagne. Auparavant, j'aurais insisté pour que nous attaquions Yi, mais la situation a légèrement changé. Que voulez-vous dire ? Regardez ici, je vous prie. I do not believe that Sun Quan's purpose is merely to regain a portion of Yi. As soon as we gain Yi, Sun Quan is sure to demand a portion of Jing as recompense for his aid. At this point, the best plan is to retain Cao Cao as our common enemy. The other day, Cao Cao issued a false imperial edict that resulted in the death of Ma Teng. Ma Teng's son, a daring general named Ma Chao, is certain to rise in revolt against Cao Cao. This offers us the chance to ally with Ma Chao and critically weaken Cao Cao's army, resulting in Sun Quan attempting to take some of his territory. Yi and Sun Quan can wait until after our campaign against Cao Cao. Sun Quan propose une alliance. Alors ça me fout un peu le doute quand même cette histoire parce que ça me rappelle énormément le plan de Zhuge Liang justement qui est ici. Celui qu'on a eu pendant le let's play. C'est quand même vachement similaire. Hein. Donc peut-être que du coup ça mène à... En fait c'est qu'on a du mal à voir entre les deux. Peut-être que ça nous mène à ça, en fait. Donc du coup, en fait, le mieux pour vous, je dirais que c'est de considérer qu'on a pris ça. Liu Bei, Wu et Shu. Donc il y a eu l'alliance qui effectivement a eu lieu. Zhuge Liang ne nous a pas proposé de plan. Et donc, on continue avec le départ de Sun Li directement. Il est temps que je retourne à Wu, Seigneur Liu Bei. Ah, oui. Vous nous avez été d'une grande assistance. Merci beaucoup. Ce fut un honneur pour moi, Seigneur. Cela m'attriste de devoir partir, mais... Le sentiment est partagé. J'attends avec impatience le jour de nos retrouvailles, Seigneur. Au revoir. Elle est arrivée tel le vent d'automne et est repartie en un instant. Bravo. Quelle femme remarquable. Liu Bei captured Chengdu. And Liu Zhang surrendered.
With the acquisition of Yi, Liu Bei had finally fulfilled Zhuge Liang's vision of the Three Kingdoms. In retaliation, Cao Cao attempted to stem Liu Bei's rise by capturing Hanzhong, located at the throat of the Yi province. Sun Quan watched hungrily for a chance to take Jing. Liu Bei, Cao Cao, Sun Quan, the land is caught in a three-sided stalemate. Liu Bei s'empare de la province de Yi avec l'aide du Wu. En échange de son soutien, Wu exige de récupérer la province de Jing, comme Zhuge Liang l'avait prédit. Je ne peux accéder à une telle demande, Zhuge Liang. Je crois que le moment est venu de nous séparer de Wu. Non, ce serait une erreur. Comment ? Suggéreriez-vous que nous leur cédions Jing ? Si nous combattions Wu aujourd'hui, nous tomberions dans le piège de Cao Cao. Ce dernier s'est récemment emparé de Hanzhong, ce qui permet d'entrer à Jing par l'est. Si nous déclarons la guerre au Wu, Cao Cao lui proposera une alliance pour nous attaquer sur deux fronts. Wu en a conscience, d'où ses exigences pour le moins déraisonnables. Promettons à Wu de rendre Jing, du moins pour le moment. Notre priorité est de reprendre Hanzhong à Cao Cao. Une fois que nous l'aurons repoussé, Wu ne sera plus en position d'exiger quoi que ce soit de nous. Je vois. Au fait, Seigneur, je souhaiterais vous présenter quelqu'un. Une fois que nous tiendrons Hanzhong, Jing deviendra le nœud du conflit entre Wu, Cao Cao et nous. Quand cela arrivera, il sera vital de conserver de bonnes relations avec le Wu, tout en nous défendant contre Cao Cao. Cela m'est dur à dire, sire, mais le seigneur Guan Yu n'a que peu de respect pour Sun Quan, et nous allons au-devant de sérieux problèmes s'il reste protecteur de Jing. Une fois que nous aurons pris Hanzhong, je pense qu'il serait sage que j'aille à Jing afin de devenir le conseiller du seigneur Guan Yu. Notre priorité est donc la défense de Hanzhong, car c'est notre point de jonction avec le territoire de Cao Cao. Je ne puis partir pour Jing tant qu'un homme doué pour l'attaque et la défense n'aura pas reçu pour tâche de défendre Hanzhong. Je vois. Et j'imagine que vous avez quelqu'un à l'esprit ? Je connais l'homme qu'il faudrait. Il se nomme Peng Tong. Nous avons étudié ensemble, lui et moi. Et je puis vous promettre que son esprit est 10 fois plus affûté que le mien. Voilà un grand compliment venant de vous. On l'appelle parfois le jeune phénix, seigneur. Ah ! Le dragon endormi et le jeune phénix ensemble ? On dit qu'il suffit d'en avoir un avec soi pour devenir le maître du pays. Vous êtes le dragon endormi et vous affirmez que ce Peng Tong n'est autre que le jeune phénix ? Oui, seigneur. J'ignore où il se trouve à l'heure actuelle, mais nous ne pouvons pas perdre s'il entre à votre service. Très bien, je le trouverai. Sun Li repart pour Wu. Cao Cao occupe Hanzhong. Liu Bei décide d'attaquer Hanzhong. L'armée doit être réorganisée en prévision de l'assaut. Tempête sur Jing. Bon. Voilà. Ça avance. Et donc là... Il y a le roi de Hanzhong. Il y a deux versions en fait. Le roi de Hanzhong, c'est... un peu chaud en fait. Je pense... Ouais, là c'est la détermination de Liu Bei, donc c'est pas ça. Le roi de Hanzhong ici. La scission avec Wu. Donc nous, il nous faut pas la scission avec Wu. En fait, il y a plusieurs... Tous ces embranchements nous mènent à notre objectif, c'est-à-dire les deux royaumes. Alors ce qu'on va faire,
c'est que je vais commencer par ça, puis ça, et je mettrai pas tout de suite la fin. Puis ensuite, je vous montrerai ça et ça, et on regardera ensuite, on laissera là encore la fin pour la fin. Et ensuite, on fera ça et ça. Et quel que soit l'embranchement qu'on prend, dans tous les cas, ça nous mènera à notre objectif, à savoir les deux royaumes. Donc allons-y. Donc, si ça avait pris cet embranchement-là, le roi de Hanzong. Et voilà, le roi de Hanzong, puis la danse des cieux. C'est parti. Donc le roi de Hanzong, pour commencer. Liu Bei saisit la forteresse naturelle de Hanzong et s'autoproclame roi de Hanzong. Titre qui revenait autrefois exclusivement à l'empereur. Liu Bei a désormais fait la preuve qu'il faudrait compter avec lui. Liu Bei became king of Hanzhong. He placed Pang Tong in Chengdu as the strategist in the fight against Cao Cao and commanded Zhuge Liang and Guan Yu to unify Jing. At this time, Lu Sun Quan sends an emissary to Guan Yu in Jing, reminding him of Liu Bei's promise to give up Jing after conquering the Yi province. L'armée doit être réorganisée en prévision de l'assaut. La danse des cieux. Guan Yu continue de refuser toutes les demandes du Wu qui souhaite récupérer Jing. Apprenant que les rapports entre Liu Bei et Sun Quan se sont détériorés, Cao Cao envoie un émissaire au Wu et propose une alliance contre Liu Bei. Sun Quan hésite à accepter et envoie Zhu Gejin négocier avec Guan Yu dans l'espoir de le raisonner. Mais Guan Yu, qui a une mauvaise opinion du Wu, s'apprête à commettre une terrible erreur. Son plan consiste à proposer un mariage entre son fils et la fille de Guan Yu. Si ce dernier accepte, Sun Quan s'alliera à Liu Bei. Ah, le frère de notre très estimé stratège, qu'est-ce qui vous amène? Je viens de la part de mon seigneur afin de vous faire une offre qui renforcera encore les liens unissant nos deux royaumes. Le seigneur Sun Quan suggère que son fils épouse votre fille afin que le lien qui nous unit soit renforcé. Général, quelque chose ne va pas? Un fils de chien pour la fille d'un tigre? Ne me faites pas rire! Attendez, général. Non! Je lui laisse la vie sauve parce que c'est votre frère, mais sinon... Général, la vie de mon frère et de toute sa famille dépend de sa mission. Cela ne me regarde en rien! Par le ciel! Très bien, général. Si vous refusez d'écouter mon frère, il mourra. Mais je l'accompagnerai de manière à pouvoir m'excuser auprès de lui dans l'au-delà. Attendez, maître Liang! Si je vous laissais mourir, je ne pourrais plus regarder mon frère en face. Veuillez excuser ma réaction, seigneur Zhu Gejin. Je vous communiquerai ma réponse à la date ultérieure. Retournez au bout, je vous prie. Très bien, seigneur. Nous attendons votre réponse. Qu'avez-vous fait, général? Ne vous avais-je pas dit? Vous pensiez que je pouvais accepter? Jamais! Guan Yu, vous osez déshonorer Liu Bei, roi de Hanzong? Lorsque vous avez été nommé protecteur de Jing, vous avez reçu l'ordre de défendre la province contre Cao Cao et de maintenir de bonnes relations avec Sun Quan. Rien n'a plus d'importance pour que notre roi mène à bien la tâche qu'il a encore devant lui. Vous êtes un grand guerrier, général, mais les terres de Cao Cao sont vastes et son armée immense. Vous ne pouvez l'affronter seul. Ce n'est qu'en coopérant avec Sun Quan que nous pourrons vaincre Cao Cao. Les décisions irrationnelles ne sont pas dignes d'un officier chevronné tel que vous, général. Souvenez-vous que vous avez prêté serment de servir votre seigneur, et puissiez-vous ne jamais l'oublier. Mon cœur est empli de honte, maître. Je me suis montré stupide. Sun Quan est un héros. Cette proposition n'est pas mauvaise pour ma fille.
En effet, général, si vous parvenez à nous montrer l'exemple et à vous comporter en chef, le rêve d'unification de notre roi sera bientôt à portée de main. Guan Yu écoute les conseils de Zhuge Liang et accepte l'union entre les deux familles. Liu Bei et Sun Quan se retrouvent donc alliés contre Cao Cao. Seigneur Liu Bei ! Ah, Sun Li ! Cela fait trop longtemps que je ne vous avais pas vu. Oui, je suis heureuse de constater que vous allez bien. Que me vaut ce plaisir ? Êtes-vous une nouvelle fois envoyé par le Wu ? Moi, Seigneur, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu une révélation suite au mariage qui a uni les familles Sun et Guan. Une révélation ? Peut-être serait-il également avisé d'unir nos deux familles, Seigneur. Quoi ? Je choisis de vivre à votre côté, Seigneur Liu Bei. Qu'en pense le Seigneur Sun Quan ? Vous n'êtes pas venu sans lui en parler, n'est-ce pas ? Oh, ne vous inquiétez pas, Seigneur. Mon frère est au courant. Il m'a dit de le retrouver à Xuchang une fois que nous aurons vaincu Cao Cao. Mais je l'ai prévenu que nous arriverions à Xuchang avant lui, vous et moi. Mon Dieu. J'imagine que rien de ce que vous dites ne devrait plus me surprendre. Pardon. Pour être honnête, je n'ai jamais réussi à vous oublier depuis notre séparation. Je souhaitais revoir votre silhouette gracieuse dansant sur le champ de bataille. À partir d'aujourd'hui, je ne raterai plus une seule de vos danses. Merci, Seigneur. Sun Li devient le vassal de Liu Bei. Liu Bei s'allie à Sun Quan contre Cao Cao. Guerre contre Wei. Bon, du coup, ça nous mène à une guerre totale entre l'alliance du Wu et du Shu contre le Wei. Et on arrivera directement à la fin, les deux royaumes. Mais pour le moment, nous allons passer à la version un petit peu en dessous. Donc le roi de Hanzong, encore une fois, ça a peut-être changé quelques petits détails. Liu Bei saisit la forteresse naturelle de Hanzong et s'autoproclame roi de Hanzong, titre qui revenait autrefois exclusivement à l'empereur. Liu Bei a désormais fait la preuve qu'il faudrait compter avec lui. Liu Bei became king of Hanzhong. He placed Pang Tong in Chengdu as the strategist in the fight against Cao Cao and commanded Zhuge Liang and Guan Yu to unify Jing. At this time, Wu Sun Quan sends an emissary to Guan Yu and Jing, reminding him of Liu Bei's promise to return Jing after conquering Yi. Ah, mon micro est toujours activé. Merde. J'ai dû l'appuyer deux fois sans faire exprès. Bon, de toute façon, il n'y a pas eu trop de bruit, donc normalement ça va. L'armée doit être réorganisée en prévision de l'assaut. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de différence là, je trouve. Bon, peu importe. Attaque commune contre Wei. Regardons ça. Guan Yu continue de refuser toutes les demandes du Wu, qui souhaite récupérer Jing. Apprenant que les rapports entre Liu Bei et Sun Quan se sont détériorés, Cao Cao envoie un émissaire à Wu et propose une alliance contre Liu Bei. Sun Quan est déchiré. Dans une ultime tentative de réconciliation, il envoie Zhuge Jin, pas Zhuge Jin, auprès de Guan Yu. Son plan consiste à proposer un mariage entre son fils et la fille de Guan Yu. Si ce dernier accepte, Sun Quan s'alliera à Liu Bei. Ah, le frère de notre très estimé stratège, qu'est-ce qui vous amène ? Je viens de la part de mon seigneur afin de vous faire une offre qui renforcera encore les liens unissant nos deux royaumes. Le seigneur Sun Quan suggère que son fils épouse votre fille, afin que le lien qui nous unit soit renforcé. Général, quelque chose ne va pas ? Un fils de chien pour la fille d'un tigre ? Ne me faites pas rire ! Attendez, général. Non, je lui laisse la vie, sauf parce que c'est votre frère, mais sinon... Général, la vie de mon frère et de toute sa famille dépend de sa mission. Cela ne me regarde en rien. Par le ciel ! Très bien, général. Si vous refusez d'écouter mon frère, il mourra. Mais je l'accompagnerai de manière à pouvoir m'excuser auprès de lui dans l'au-delà. Attendez, maître Liang ! Si je vous laissais mourir, je ne pourrais plus regarder mon frère en face.
Veuillez excuser ma réaction, Seigneur Zugejin. Je vous communiquerai ma réponse à date ultérieure. Retournez au bout, je vous prie. Très bien, Seigneur. Nous attendrons votre réponse. Qu'avez-vous fait, Général? Ne vous avais-je pas dit? Bon, pour le moment, ça change pas. Vous pensiez que je pouvais accepter? Jamais! Guan Yu, vous osez déshonorer Liu Bei, roi de Hanzhong? Lorsque vous avez été nommé protecteur de Jing, vous avez reçu l'ordre de défendre la province contre Cao Cao et de maintenir de bonnes relations avec Sun Quan. Rien n'a plus d'importance pour que notre roi mène à bien la tâche qu'il a encore devant lui. Vous êtes un grand guerrier, Général, mais les terres de Cao Cao sont vastes et son armée immense. Vous ne pouvez l'affronter seul. Ce n'est qu'en coopérant avec Sun Quan que nous pourrons vaincre Cao Cao. Les décisions irrationnelles ne sont pas dignes d'un officier chevronné tel que vous, Général. Souvenez-vous que nous avons prêté serment de servir votre seigneur, et puissiez-vous ne jamais l'oublier. Mon cœur est empli de honte, maître, je me suis montré stupide. Sun Quan est un héros. Cette proposition n'est pas mauvaise pour ma fille. En effet, Général, si vous parvenez à nous montrer l'exemple et à vous comporter en chef, le rêve d'unification de notre roi sera bientôt à portée de main. Pour le moment, il n'y a pas de différence. Guan Yu écoute les conseils de Zugeliang et accepte l'union entre les deux familles. Liu Bei et Sun Quan se retrouvent donc alliés contre Cao Cao. Liu Bei s'allie avec Sun Quan contre Cao Cao. Ah bah ok. J'ai compris la différence. La différence, c'est que Sun Li ne rejoint pas Liu Bei. C'est moins bien du coup. Bon bah maintenant on va aller voir pour la scission avec Wu. Qui sera encore moins positive à mon avis du coup vu le nom. Liu Bei saisit la forteresse naturelle de Hanzhong et s'auto-proclame roi de Hanzhong, titre qui revenait autrefois exclusivement à l'empereur. Liu Bei a désormais fait la preuve qu'il faudrait compter avec lui, ça devient un petit peu rébarbatif tout ça. Liu Bei became king of Hanzhong. He placed Zhuge Liang in Chengdu and left the defense of Jing to Guan Yu. At this time, Wu's Sun Quan sends an emissary to Guan Yu in Jing, reminding him of Liu Bei's promise to give up Jing after conquering Yi. Ouais, du coup là on n'a pas... Dans cette réalité-là, on n'a pas recruté Pang Tong. Ou alors on ne l'a tout simplement pas placé dans la province de... On a pas placé Zugeliang dans la province de Jing aussi, ça peut être ça aussi. Guan Yu continue de refuser toutes les demandes de Wu qui souhaite récupérer Jing. Apprenant que les rapports entre Liu Bei et Sun Quan se sont détériorés, Cao Cao envoie un émissaire à Wu et propose une alliance contre Liu Bei. Sun Quan hésite à accepter et envoie Zugejin négocier avec Guan Yu dans l'espoir de le raisonner. Mais Guan Yu, qui a une mauvaise opinion de Wu, s'apprête à commettre une terrible erreur. Bonjour, Général. Ah, le frère de notre très estimé stratège, qu'est-ce qui vous amène? Cela fait longtemps que Monseigneur Sun Quan et le Seigneur Liu Bei sont alliés contre Cao Cao, Général, mais nos récents problèmes ayant trait à Jing ont causé une détérioration de nos relations. Si vous cherchez le responsable, tournez-vous vers Sun Quan et ses requêtes déraisonnables. Ah, Monseigneur espère qu'il est encore possible de renouer notre amitié. Le Seigneur Sun Quan suggère que son fils épouse votre fille, afin que le lien qui nous unit soit renforcé. Une fois nos deux royaumes définitivement unis, même Cao Cao ne pourra rien contre nous. Général, quelque chose ne va pas? Un fils de chien pour la fille d'un tigre! Ne me faites pas rire! Que... Je devrais vous tuer sans autre forme de procès. Mais vous êtes le frère aîné de Zugeliang. Aussi vais-je vous laisser la vie. Hors de ma vue, misérable! Quelle impudence! Vous allez le regretter, Général. Sun Quan rompt toute relation avec Liu Bei et s'allie avec Cao Cao. Cao Cao lance l'invasion de Jing. L'armée doit être réorganisée en prévision de l'assaut. Donc ouais, c'est une histoire qui sent le foin. Et on va sur la victoire de Guan Yu. Conduite par Guan Yu, l'armée de Jing s'enfonce dans les terres de Cao Cao. Même Wu, qui avait conclu une alliance avec Cao Cao pour envahir Jing, est stupéfait par le renversement de situation et dissout l'alliance. Wu propose alors à Liu Bei de se joindre à lui pour attaquer Cao Cao.
Liu Bei accepte et conduit personnellement l'armée de Hanzong. Liu Bei s'allie avec Sun Quan contre Cao Cao. L'armée doit être réorganisée en prévision de l'assaut. Guerre contre Wei. Ouais, ben, franchement, le meilleur scénario, c'est quand même quand Sun Li rejoint Liu Bei. Hein. Parce que là, c'est vraiment pas positif. Ils se sont foutus sur la gueule et Sun Quan a vu qu'ils étaient quand même trop puissants. Et du coup, on se demande même comment Guan Yu a pu gagner dans cette situation. Parce que c'est la situation du château de Fan et c'est quand même assez tendu. Mais bon, ok, admettons. Mais ouais, pour moi, le meilleur scénario reste quand même quand on va le roi de Hanzong et la danse des cieux. Et maintenant, on va pouvoir profiter de la fin, les deux royaumes. Liu Bei and Sun Quan defeated Cao Cao together. However, the emperor, weakened by the long years of chaos, was unable to enjoy the peace. He soon became ill and died. By the will of the emperor, the land was split into two. Sun Quan of Wu was given the east, while the west went to Liu Bei of Shu. Today, two suns rise to the heavens. We shall swear to live in peace. Our two suns shall bring to the land a brightness never before seen. Thus the land was divided between Sun Quan and Liu Bei. Wu and Shu would exist in harmony and bring about a golden age of prosperity. Voilà, les conséquences de cette fin sont quand même plus positives que celles des trois royaumes, qui est l'historique, hein, les trois royaumes. Là, dans les deux royaumes, on a un pays en paix, divisé en deux royaumes, le Wu et le Shu. Et du coup, bon, tant que Liu Bei et Sun Quan sont vivants, on est sûr que ça devrait être plutôt stable, ça devrait être en paix, surtout dans le scénario où, effectivement, Guan Yu a épousé... Guan Yu a épousé personne. La fille de Guan Yu a épousé le fils de Sun Quan et que Sun Li a épousé Liu Bei. Là, c'est quand même avec les mariages politiques qu'il y a eu, c'est quand même une alliance plutôt stable. Mais après, faut voir ce que ça va donner avec les descendants. Hein. Peut-être une génération, la génération d'après, ça passera encore à peu près. Puis encore une génération après, par contre, ça a peut-être commencé à sentir le foin et retomber dans le chaos. Enfin, après, c'est des suppositions qu'on peut faire. En tout cas, voilà, donc la prochaine fois, nous passerons à la fin les deux dynasties dans le prochain épisode. L'unification, je vous rappelle, c'est la fin qu'on a eue dans le let's play, donc inutile de la montrer. Donc on passe aux deux dynasties au prochain épisode. Allez, à bientôt!